Lille 2e accueille Nîmes 9e. Les Lillois n'ont remporté qu'un match sur leurs 3 dernières rencontres. Mais quel match ! Le 5-1 face au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas enchaîner la maison contre le Nîmes Olympique qui reste de son côté sur de mauvais résultats à l'extérieur. 4 défaites de suite alors qu'il y a eu 3 victoires consécutives à la maison. Le premier match de la saison entre les deux équipes avait été spectaculaire. Lille avait gagné 3-2 sur le terrain de Nîmes et la première opportunité est en faveur des Crocos avec ce coup franc repoussé par Mike Maignan. Une deuxième chance pour les visiteurs qui semblent bien lancés dans cette partie. La reprise de Denis Bouanga et la parade de Mike Maignan, déjà décisif à 2 reprises dans ce match. Jolie tentative de l'international gabonais. Les Lillois ont mis un petit peu de temps à rentrer dans la partie à la mi-temps 0-0. On s'attend pourtant à pas mal d'actions, notamment collectives, sous le regard de José Mourinho, le célèbre entraîneur portugais, attend de voir des buts dans ce match. Il y a les deux meilleurs passeurs de Liga Conforama sur le terrain, Nicolas Pepe d'un côté, Teji Savanier de l'autre. On attend donc vraiment plus d'actions, et c'est le cas au retour du vestiaire, avec le premier but du match pour Loïc Rémy, 51e minute. La rencontre se débloque enfin, 4e but de la saison pour Loïc Rémy. C'est Teji Savanier qui perd le ballon. Une bonne récupération de Boubacari Soumaré. Et l'action va au bout grâce à Rémy. Lille est bien lancée dans cette partie. Ce but a fait beaucoup de mal au Nîmois qui jusqu'alors était bien dans le match. Mais ça fait 2-0 juste après l'heure de jeu. 64e minute. Superbe trajectoire sur ce centre de Youssouf Koné. Et la reprise de la tête parfaite de Jonathan Bamba. 12e but de la saison pour Bamba. Les nordistes sont intenables et enchaînent. 6 minutes plus tard, nouvelle action de qualité qui permet à Zeki Selik de marquer le but du 3-0. Premier but en Ligue 1 Conforama pour Zeki Selik. Le latéral lillois est monté et s'offre le but de la victoire certaine. Les Nîmois sont dépassés comme ils l'ont rarement été cette saison. Changement côté lillois avec la sortie de Jonathan Bamba remplacé par Rui Font à un quart d'heure de la fin. Et nouvelle action pour les joueurs de Christophe Galtier avec ce centre au deuxième poteau impeccable de Raphaël Léao pour Nicolas Pepe. Le meilleur buteur du LOSC n'avait pas encore inscrit de but dans ce match. C'est fait à 10 minutes de la fin, 4-0 et 20e but de la saison pour Nicolas Pepe. Un chiffre symbole pour l'international ivoirien. Une dernière action dans les arrêts de jeu pour Lille avec ce tir de Rui Font. Il était entré sur le terrain un quart d'heure plus tôt et il marque enfin son premier but en Ligue 1 Conforama. 5-0 dans les arrêts de jeu. 5 buts marqués en seconde période pour des Lillois déchaînés qui se rapprochent de la qualification en Ligue des Champions. Succès très net de Lille, 5-0 contre Nîmes.